Je sais qu'on a livré au premier trimestre à l'Europe à peu près 10 millions et qu'on est sur un plan de plus de 35 millions pour le second trimestre. Bon. Contre eux, à titre de comparaison, 16,5 millions de Pfizer. On a commandé moins de Moderna. On a commandé moins de Moderna, un peu moins de 2 millions. Vous êtes au maximum du maximum de vos capacités de production aujourd'hui, Stéphane Bancel? Oui, effectivement, on a construit l'outil industriel l'année dernière pour l'Europe, hein, et on n'avait aucun site industriel en Europe. Et donc, on est en train en fait de mettre en place toutes les lignes de production. On espère cette année pouvoir sortir à peu près 800 millions de doses, peut-être jusqu'à 1 milliard. Jusqu'à 1 milliard, et même peut-être encore plus pour l'année prochaine, ça veut dire que vous anticipez dès aujourd'hui que la vaccination va se poursuivre sur le très long terme? Alors, ça c'est sûr que la vaccination va se poursuivre sur le très long terme. C'est un virus qui ne disparaîtra plus. Il faut qu'on vive avec comme la grippe. On sait très bien faire ça. Alors, je pense qu'il y a une période d'un an ou deux qui va être un peu compliquée parce qu'on n'est pas capable de vacciner toute la planète. On est bien sûr un monde interconnecté aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Amérique latine, en Inde. Et donc, nous anticipons des nouveaux variants qui vont revenir dans l'hémisphère nord à l'automne et l'hiver prochain. Et donc, les rappels seront vraiment, bien sûr, très importants.